Salut chers amis, c'est Vince. On est au jour, je ne sais plus combien, on est au jour 3 vendredi, samedi 4, 5, 6, 7. On est au jour 7 du défi des 100 jours, saison 10. Et comment vous dire qu'il se passe encore des choses encore plus ouf de ce que j'aurais pu imaginer. Je suis tombé en panne hier soir en rentrant dans mon appartement de Mac Pro, donc mon Pro Mac qui est juste là. Et je crois que ça peut pas être la meilleure occasion pour moi, car comme vous pouvez le voir là, j'ai mon bureau qui est directement dans mon salon en fait. Donc ça me prend beaucoup de place, ça veut dire que je suis tout le temps dans le boulot. Et j'avais cette intention d'avoir un local, un bureau attitré. Comment vous dire que ça y est, j'ai mon, pratiquement, c'est pas signé encore, mais j'ai mon bureau. Et je vais pouvoir enlever tout ça d'ici et pouvoir me diriger dans un bureau. C'est un espace de coworking pour lequel j'avais fait la formation la semaine, il y a deux semaines ou trois semaines, je sais plus. J'avais fait la formation Bicom et c'est un complexe en fait, une sorte de complexe qui fait 1000 mètres carrés dans lequel il y a tout plein de coworkers, il y a plein de salles de réunion, de salles de formation, de salles d'audiovisuel avec studio et tout ça. Et je suis en train de prendre la totale pour pouvoir décentraliser totalement ma société, mon entreprise, et je vais m'installer là-bas très prochainement. J'ai fait la demande de devis et ça y est, les choses avancent très vite. Donc je vous ai pas fait de vidéo pendant le week-end parce que j'ai eu un petit week-end assez chargé. J'ai fait Miss Limousin récemment, là j'ai tourné pour Miss Limousin, donc je vais vous mettre les images du jour 3 que je ne vous ai pas diffusé. Salut tout le monde, c'est Vince, j'espère que vous allez bien. Défi des 100 jours, jour 3, on part à Limoges, là, Limoges pour conférence de presse de Miss Limousin et pour le tournage avec Miss Limousin 2016. Bonjour. Donc là du coup ça va être une journée juste grandiose. Donc là micro pour filmer le discours de Miss Limousin. Ça va être comme tendu. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bye. Je suis avec Miss Limousin 2016. Voilà. Pas périmée. Non, elle est pas périmée. Donc là, on est à la gare de Limoges parce qu'on prépare une surprise, une petite surprise. Et du coup, c'est l'occasion pour vous faire gagner deux places VIP partenaires pour l'élection de Miss Limousin qui aura lieu le 15 septembre prochain. À l'Opéra de Limoges. Voilà, donc ça sera pour deux places. Alors, on verra qui va gagner. Je sais pas, il faut que je coupe ça. Donc du coup voilà, il y a deux places à gagner, donc c'est simple, vous avez juste à identifier la personne avec qui vous voulez aller à l'Opéra de Limoges pour voir l'élection. Vous partagez également cette publication, vous likez également cette publication, et puis le tirage au sort sera vendredi prochain. Ça sera Roman qui tire... Non, je... non, non, du coup voilà, vous likez, vous partagez, vous identifiez une personne, et puis tirage au sort vendredi prochain. Donc à plus tard. Et on vous souhaite bonne chance. Bye bye. Bon voilà, chers amis, petit morceau de tournage que je vous ai montré la vite fait en vidéo avec ma chère Romane, Miss Limousin, donc une amie à moi maintenant depuis l'année dernière par rapport à l'élection de Miss Limousin. Donc une expérience juste de ouf aujourd'hui. Malheureusement, on s'est retrouvé à avoir un temps de merde, il faut le dire. Là, il fait vraiment pas beau, il y a une très très grosse, il y a eu des grosses averses, on voulait tourner en extérieur, on avait plein de spots à aller tourner et puis finalement on ne peut pas. Donc du coup on a tout tourné à la gare de Limoges, on a essayé de tourner un maximum de plans, on avait une petite voie à faire. On essaye de s'adapter, voilà, c'est le problème du métier, mais déjà c'est voilà, c'est pas mal ce qu'on a fait. Et puis maintenant il n'y a plus qu'à monter tout ça. Et puis pour l'élection il y aura donc une petite surprise en vidéo, ça va être juste extraordinaire. Donc là je rentre chez moi, je vais voir si je vlog un petit peu en arrivant. Et puis super journée avec de belles rencontres, la conférence de presse était juste extraordinaire. Il y a eu... de très jolis candidats, il y a de très jolies candidates, il y en a 14, je m'étais trompé ce matin, je crois que j'avais dit 15. Il y a 14 candidates et ça va être vraiment une belle élection et vite le 15 septembre, voilà. Donc allez, je vous dis à peut-être à tout à l'heure, sinon bye les amis, pensez à vous abonner, liker et à mettre un petit commentaire, bye. Comment vous dire que c'est juste magique, c'était une de mes intentions, ça fait peut-être 4 saisons que j'avais cette intention là et ça y est, elle se réalise enfin dans la saison 10. Merci la vie, waouh. Donc cet après-midi je ramène mon Mac en réparation parce qu'il y a eu un léger petit souci, c'est rien de grave mais voilà. Et waouh, c'est juste ouf, je vais avoir un endroit où il y a internet haut débit, donc je vais pouvoir tout transférer très rapidement. Je vais avoir des coworkers autour de moi, il y aura un coin café, il y aura
toutes les personnes qui font de l'audiovisuel, des auteurs, des scénaristes. Enfin, le truc de ouf, quoi. Et voilà, je voulais vous faire partager ça. Donc, en tout cas, les amis, je vous fais d'énormes bisous pour ce jour 7 qui est juste extraordinaire. Et je vous dis à la prochaine. Gardez vos rêves de vue, surtout. Fixez-vous des objectifs, des intentions et vous les réaliserez. C'était mon petit mot de la journée. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous dis peut-être à demain pour une nouvelle vidéo, peut-être très rapidement. Bye, les amis. Ciao.